Bonsoir, chers frères et sœurs et amis visiteurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Je vous souhaite une agréable et chaleureuse bienvenue dans la maison de l'Éternel. Soyez attentifs à ce qui sera dit et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Bienvenue à tous. Maintenant, je vous invite à écouter un chant spécial. Bonsoir, chers frères et sœurs et amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le chant que je vais vous interpréter ce soir s'intitule « Jamais plus grand amour » puisqu'il n'y a pas plus grand amour que celui de Jésus pour nous. La beauté du ciel, elle a dans
Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, bonsoir. C'est un réel privilège pour moi d'être avec vous en ce mercredi soir. Et je suis convaincu que Dieu fera éclater sa gloire. Amen. Car c'est toujours la joie pour nous d'être réunis en ce lieu, dans la maison de Dieu. Donc c'est un plaisir de voir tous ces visages réunis en ce lieu. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez tous reçu ce petit feuillet? Un feuillet où il est marqué « Mon engagement ». Donc c'est un feuillet qu'on utilise si on désire de la prière, si on veut recevoir la visite de membres de l'équipe pastorale ou l'équipe du ministère personnel. Un feuillet également de décision. Donc peu importe votre besoin, nous avons ce feuillet à votre disposition. N'hésitez pas à le réclamer si vous ne l'avez pas encore reçu. Donc il y a des hôtesses, comme vous pouvez le voir, qui passent dans l'allée et qui vous remettent ce petit formulaire. N'hésitez pas, donc faites un signe de la main. Si vous n'avez pas encore eu ce document et vous le voulez, c'est OK? Et sinon, comment s'est passée la journée pour vous? Bien par la grâce de Dieu? En général, on sait qu'au cours de la semaine, vers mercredi, jeudi, la fatigue commence à se ressentir, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul dans ce cas, non? Lorsque mercredi, jeudi arrive, ouh! Mais Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Exactement. Donc malgré la fatigue, il y a toujours cette joie. Il y a toujours ce bonheur de le retrouver. Il y a toujours cette joie d'être ici pour renouveler nos forces, pour nous encourager spirituellement. Car c'est ça ici, c'est ça aussi, être dans la maison de l'Éternel. Et alors que je pense que maintenant tout le monde a reçu, n'est-ce pas, le feuillet, nous pouvons débuter notre moment de partage qui s'intitule « Au-delà du tombeau ». Au-delà du tombeau. Mais juste avant de commencer, je vous invite à incliner la tête avec moi pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous sommes ici réunis en ce lieu, alors que nous suivons cette conférence par le biais d'Internet, nous réclamons ta présence. Nous réclamons l'action de ton Esprit Saint. Ô Seigneur, alors que je m'apprête à parler, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, Seigneur. Et que la clarté de ta parole luise sur chacun d'entre nous. Et ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au-delà du tombeau. Et avant de commencer, j'aimerais commencer avec une petite expérience. Car il est bien de parler des Écritures. Mais aujourd'hui, nous savons que les Écritures sont vivantes à travers nos expériences. Amen. Et nous avons besoin de témoignages pour nous vivifier. Nous avons besoin de savoir qu'au 21e siècle, Jésus-Christ agit dans les cœurs. Et ce ne sera peut-être pas le dernier témoignage que je raconterai ce soir. Et je commence alors que mon père travaillait il y a quelques années de cela à l'hôpital, au milieu hospitalier. Il avait un collègue, mais un collègue avec lequel les choses se passaient très mal. Le collègue ne le supportait pas. Le collègue ne l'aimait pas du tout. Et ce collègue, il avait un mode de vie assez libre, assez libéré. Mais une liberté qui est plutôt un esclavage, et l'esclavage du péché, je dirais. Et ce collègue, il était coureur de jupons. Il trompait sa femme à droite, à gauche. Et en plus de cela, c'était un bon vivant. Donc tout ce qui était alcool, tout ça, c'était pour lui. La fête, les amis, les femmes, il était impliqué dans ces choses. Et sous le lieu du travail, il était assez méchant, il était assez dur avec mon père, il ne supportait pas. Mais un événement
soudain pris place dans sa vie. Lorsque cet homme a appris qu'il fut atteint du cancer. Et alors que cet homme était dans son cancer, il ne pouvait plus travailler au bout d'un moment. Et alors qu'il était chez lui, alité, d'après vous, qui a-t-il trouvé? Quelle personne a-t-il trouvé pour le visiter? Donc mon papa. Donc mon père a été le visiter, parler avec lui, parler de l'évangile, l'encourager. Et alors que ses concubines n'étaient plus à son chevet, sa femme, celle qu'il avait épousée, était à son chevet. Et mon père était là, il échangeait avec lui. Et nous voyons que nous servons un Dieu vivant, l'homme fut rétabli. Mais alors qu'il fut rétabli, pensez-vous qu'il a adoré Dieu et qu'il a continué à persévérer et qu'il a été reconnaissant et qu'il a témoigné par son mode de vie? Non. Comment? Il a recommencé, exactement. Cet homme retourna dans ses travers. Et malheureusement pour lui, il y a eu rechute dans la maladie. Et alors qu'il eut rechute dans la maladie, mon père alla à nouveau le visiter. Mon père a commencé à prier avec lui, prêcher l'évangile avec lui. Et il a commencé à être ému, il a commencé à reconnaître la suprématie de Dieu. Il a compris qu'il voulait la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Et alors, l'Éternel exprima quelques paroles à mon père. Et mon père dit à cet homme, « Tu sais, Dieu t'a relevé une fois. Mais cette fois-ci, tu as l'assurance du salut, mais tu ne te relèveras pas. » Et l'homme ému versa quelques larmes. Il a dit, je sais, je comprends, mais je suis prêt. J'ai accepté Jésus-Christ. Et mon père prit la route. Il n'était même pas encore arrivé à la maison qu'il reçut. En arrivant à la maison, il reçut un coup de fil. Pour dire que l'homme en question était décédé. Mais alors qu'il y a cette mort, j'aimerais vous dire qu'il y a, au-delà du tombeau, il y a une espérance. Alors que cet homme repose dans un tombeau, il est gardé en mémoire dans les lieux célestes. Car Jésus-Christ a la mémoire de cet homme et tous ceux qui sont morts. J'aime à dire que Jésus-Christ a gardé ces personnes en mémoire. Et ceux qui sont morts en Christ, un jour, il se passera un événement heureux. Mais il y a un événement dans la parole de Dieu qui me rappelle justement cette histoire. Quand nous voyons que l'homme, jusqu'à son dernier instant, alors qu'il a mené une vie qui n'était pas conforme jusqu'à son dernier souffle, il a eu l'opportunité. Il a eu l'opportunité de croire, mes amis. Il a eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ dans sa vie et gloire à Dieu pour cela. Mais cela me rappelle un événement qu'on trouve dans l'évangile selon Luc. Et je vous invite à ouvrir la parole avec moi dans l'évangile selon Luc, chapitre 23. Il n'y a que des trois, puisque c'est Luc, chapitre 23, versets 33 à 43. Et je lirai. Tout le monde a trouvé? D'accord. Et je lis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui en s'approchant et lui présentant du vinaigre.
Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen pour la parole de Dieu. Donc nous voyons que dans cette histoire, il y avait deux brigands. Un à droite du Sauveur, l'autre à gauche du Sauveur. L'un à gauche du Sauveur de l'humanité, l'un à droite. Et on voit qu'il y avait un qui méprisait Jésus d'un côté. Mais de l'autre côté, il y avait un autre. Il y avait un qui réclamait un héritage qu'il ne méritait pas. Amen. Et cela me rappelle quelqu'un. Et je n'irai pas dire que cela me rappelle sœur un tel ou frère un tel ou monsieur un tel, madame un tel, mais cela me rappelle le pécheur que je suis. Celui qui en réalité est coupable. Celui qui ne mérite pas le salut, mais qui a réclamé une part de l'héritage. Amen. Gloire à Dieu. Oh, qu'il est beau de réclamer une part de cet héritage. Mais il y a quelque chose d'intrigant dans cette histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une chose de louer Dieu. C'est une chose de louer Dieu lorsqu'on lit dans sa parole qu'il a ressuscité. C'est une chose de louer Dieu lorsqu'on lit dans sa parole qu'un ange est venu et qu'il a roulé la pierre et que Jésus-Christ s'est levé et qu'il a retiré tous ses bandages. C'est une chose de lire qu'au bout d'un moment, Jésus-Christ monta dans les cieux et qu'il a promis de revenir et pour chercher chacun de ses enfants. Mais croyez-moi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il est difficile de faire confiance à un sauveur qui est crucifié à côté de nous. C'est une chose de croire en Jésus-Christ. C'est une chose de croire en son don. Mais qu'en est-il lorsque le sauveur de l'humanité, lorsque celui qui nous a promis qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, lorsque celui qui nous a promis un héritage est crucifié sur une croix à côté de nous? Et c'est pour ça que lorsque nous voyons le brigand, celui qui n'a pas accepté le Christ, nous voyons qu'il a eu une réaction naturelle. Il a eu une réaction naturelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est comporté de manière rationnelle. Il a fonctionné de manière cartésienne, comme on l'aime dire aujourd'hui. Il a vu que 2 plus 2 faisait 4. Mais lorsque nous parlons de divinité, nous voyons que la logique dépasse le naturel. Nous voyons qu'avec le Christ, qu'avec la divinité, 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1. Et nous voyons que lorsque nous fonctionnons avec la vision que Dieu attend de nous, nous comprenons qu'un sauveur crucifié est toujours en possession du pouvoir. J'espérais qu'il y avait quelqu'un ici pour dire amen. Lorsque Jésus-Christ s'est crucifié sur cette croix, lorsqu'il est crucifié à côté du pécheur qui est là, il est toujours souverain. Amen. Et l'homme,
il a été suffisamment fou, comme on le dirait aujourd'hui, pour croire que l'homme qui agonisait à côté de lui avait le pouvoir de le sauver, avait un héritage en réserve pour lui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent par des péripéties. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent par des difficultés. Mais j'aimerais vous dire que alors que vous êtes en souffrance, il y a Jésus-Christ qui souffre avec vous. Alors que vous souffrez de déprime, de dépression, de découragement à cause de votre situation familiale ou autre, alors qu'il n'y a plus d'argent pour faire des courses, alors que des gens vous ont délaissé, vos amis, un conjoint peut-être, j'aimerais vous dire qu'au milieu de la souffrance, il y a un sauveur. Et alors que vous agonisez, j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Car il y a un sauveur. Il y a un sauveur sur la croix qui souffre avec vous. Et son événement, cet événement s'est passé il y a des milliers d'années de cela. Mais j'aime à vous dire que dans la vie concrète, lorsqu'on passe par des souffrances, nous prenons conscience de ce que c'est. Et l'homme, alors qu'il souffrait sur la croix, c'est à ce moment-là, mes bien-aimés, c'est à ce moment-là, chers amis, c'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'il a réclamé un héritage. C'est à ce moment-là qu'il a réclamé la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Donc c'est alors que je suis dans mes souffrances, dans mes péripéties, et que je ne vois pas encore la réponse du Sauveur, parce qu'il est en train de souffrir avec moi. C'est alors que je suis dans un moment de difficulté, de crucifixion, qu'il faut que je croie, qu'il faut que je réclame justement la vie éternelle à mon Sauveur, la victoire éternelle à mon Sauveur. N'a-t-il pas dit dans sa parole, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Une chose, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et la réponse de Jésus est merveilleuse. Lorsque nous retournons dans cette histoire, la réponse de Jésus est magnifique, car il a dit à l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Nous l'avons lu. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, quelle promesse merveilleuse! Qui ne souhaite pas entendre ces paroles merveilleuses du Sauveur Jésus-Christ? Qui ne souhaite pas, j'ai dit? Petite question piège. Tout le monde! Car nous regardons à cette espérance, car nous voulons vivre éternellement avec lui un jour, n'est-ce pas? Mais j'aime à vous dire que cette réponse que nous trouvons au verset 43, cette magnifique réponse du verset 43, qui, ces paroles prononcées par Jésus-Christ, ont malheureusement souvent été mal interprétées. En effet, lorsque nous lisons ces paroles, nous voyons qu'il nous est dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous savons que pour rentrer même dans le contexte des choses et dans la manière dont les manuscrits, dont les codex étaient utilisés, nous savons que les premières écritures grecques, c'était en lettres majuscules. Nous savons que dans ce contexte-là, et j'aime à vous dire, à vous informer, qu'il n'y avait pas de ponctuation. Il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de point d'exclamation, ni de point d'interrogation. Donc nous voyons que cet écrit, cette promesse de Jésus pouvait être interprétée de deux façons différentes. Et en fonction des traducteurs, en fonction de leurs idées préconçues, de leurs croyances, certains ont pensé que Jésus disait à cet homme que c'est aujourd'hui même qu'il sera au paradis.
qu'il passerait par la tombe, mais qu'il serait au paradis immédiatement, aujourd'hui même. Et pourtant, on parle de il est écrit. Il est écrit. Mais il y a une deuxième vision des choses. Et la vision qui pense que le verset dit qu'en réalité, je te le dis aujourd'hui. Donc, l'affirmation de Jésus, c'était à l'instant même. Donc, c'est la parole de Jésus qui était dite aujourd'hui, au moment où il parlait. Tu seras avec moi dans le paradis. Vous m'avez suivi jusqu'ici? Il n'était pas en train de lui dire que ça prendrait effet le jour même. Mais il était en train de lui dire, de manière instantanée, que sa bénédiction serait en réserve pour lui. Mais comment dissocier le vrai du faux, puisque nous avons un texte, nous n'avons pas de ponctuation dans le texte original. Comment dissocier lesquelles des différentes interprétations disent vrai, lesquelles sont correctes, car nous sommes dans un « il est écrit ». Et mes amis, c'est pour ça qu'il est merveilleux d'étudier la Bible entièrement. Car il nous est dit également que la Bible, j'aime cette citation-là, la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 2, verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. Tout le monde a trouvé? Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous n'avez pas trouvé, dites Attends. Et je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc nous voyons que l'homme a été créé, formé de la main de Dieu. Mais Dieu a utilisé un élément, c'est la poussière. Et que Dieu a mis le souffle de vie dans l'homme et il est devenu un être entier. Et lisons maintenant Genèse 3, verset 19. Et c'est surtout la dernière partie de ce verset qui m'intéresse. Là où il est dit, car tu es poussière et tu retourneras de la poussière. Donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Il a soufflé dans ses narines. Donc le souffle venait de Dieu. Et nous voyons que le même Dieu qu'il a créé à partir de la poussière dit, comme en guise de conséquence du péché, que l'homme retournera où? Dans la poussière. Donc nous sommes conscients qu'avant que Dieu forme l'homme de la poussière, l'homme n'existait pas. La poussière était là, certes, mais Dieu n'avait pas encore créé, formé l'homme. Et Dieu dit justement à l'homme, au verset que nous venons de lire, qu'il retournera poussière, il retournera dans cette situation d'inexistence. Tout le monde me suit jusqu'ici? Il retournera dans un contexte d'inconscience où il n'existe plus pour le moment. Et ce texte nous montre également que lorsque l'homme meurt, il est mort et qu'il est en attente. Et pour aller plus loin, pour comprendre davantage, je vous invite à regarder un autre passage avec moi. Et c'est Ecclésiaste 9, verset 5. Et je lis, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, il n'y a rien pour eux, plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
Donc, qu'est-ce que le texte nous dit? Je pense que c'est suffisamment limpide. Le texte nous dit que les morts ne savent rien. Donc, nous voyons, ces textes que nous avons lus nous permettent de comprendre que lorsque l'homme est mort, il est dans un état de conscience. Donc, nous sachons laquelle des deux interprétations qu'il faut choisir. C'est l'interprétation qui nous dit que Jésus parlait à l'instant même pour une promesse future. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible dans son entièreté. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous verrons un peu plus loin que dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui confirment cette idéologie. Mais la question que nous devrions nous poser, mes bien-aimés, c'est quel est le risque? Quel est le risque de croire en l'immortalité de l'âme? Quel est le risque de croire que lorsque Net meurt, qu'il a un état conscient et que son âme se détache? Et le risque, il est assez clair. Le risque, c'est la séduction de l'ennemi. Lorsque nous aventurons à croire en une telle doctrine, mes amis, nous sommes sujets à être trompés par l'ennemi. Et la question que nous pourrons nous poser maintenant, c'est de quelle manière? De quelle manière pouvons-nous être trompés, piégés par l'ennemi, par cette doctrine? C'est de croire qu'il nous est possible de rentrer en contact avec eux morts. C'est de croire qu'il nous est possible de communiquer par un rêve ou par d'autres procédés par un proche qui est mort. Avec un proche qui est mort. Et nous voyons que la voyance commence à prendre son importance lorsqu'on croit ces choses. Nous voyons que les gadettes affaires commencent à devenir, faire partie de notre répertoire. Alors pourquoi pas après tout? Si le mort en question, je peux communiquer avec lui, pourquoi ne pas agir de la sorte? Et l'ennemi utilise justement ses croyances pour nous leurrer, pour leurrer énormément des personnes et les égarer, pour les toucher émotionnellement. Et ces personnes peuvent dire, je suis rentré en contact avec mon proche, il m'a dit de faire telle chose, c'était des choses bonnes, donc j'y crois. Mais mes amis, Un « il est écrit » vaut mieux que n'importe quel témoignage. Surtout lorsqu'on sait comment l'ennemi procède. Et nous voyons que nous avons un exemple parlant dans les Écritures. Et cet exemple se trouve dans 1 Samuel au chapitre 28. Et je vous invite à trouver ce passage avec moi. Je vais vous donner un indice pour trouver 1 Samuel. C'est juste avant 2 Samuel. Vous ne me remerciez pas? Eh bien, qu'est-ce qu'arrive à mes frères et sœurs? Ils ont oublié les bonnes manières. Mes chers amis, voyons. Charles, je me suis trompé? C'est bien ça? C'est bien ça. Comment? 1 Samuel 28, à partir du verset 7. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé le verset. Et il nous a dit, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, c'est marqué Endor, ce n'est pas Endor auprès de l'Espagne, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Il y a quelque chose qui devrait nous interpeller là. Saül s'est déguisé. Et pourquoi d'après vous Saül s'est-il déguisé? C'est ce qu'il fait bien. Parce qu'il veut rentrer en contact avec Samuel. Il veut rentrer en contact avec un prophète. Qu'y a-t-il de mal? Ah oui, le prophète est mort. Ah oui, le prophète est mort. Oui, mais le prophète est mort, mais qui a-t-il le mal de rentrer en contact avec lui s'il y a l'immortalité de l'âme, s'il y a l'état conscient des morts? Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi se déguise-t-il? Parce que Dieu n'approuve pas.
Et il le savait. Je n'approuverais pas ces pratiques. Et il faut comprendre que dans ces périodes ancestrales, qu'il y avait des pratiques animistes. Ça veut dire que les gens se fiaient aux esprits. Et les gens rentraient en contact avec leurs ancêtres. Pensaient rentrer en contact avec leurs ancêtres. Mais en réalité, c'était avec des esprits de démons. Et Dieu a toujours interdit ceci à son peuple. Parce qu'il savait que si son peuple se laissait séduire comme ça, qu'il serait plus facile pour l'ennemi de les piéger, de les orienter autre part. Il serait facile pour l'ennemi de leur faire croire et avaler n'importe chose. Car Isaac, par exemple, aurait pu dire, « Ah, j'ai vu Abraham, mon père. » Et il m'a dit d'aller là plutôt que là. Donc l'Éternel a interdit cette pratique. Et nous voyons que Saül a pratiqué ces choses en allant à l'encontre de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui en 2019? J'ai cru pendant un instant qu'on était en 2021. Vous voyez comment les choses vont vite dans ma tête? C'est peut-être parce que je suis trop pressé de rencontrer mon Sauveur. Amen! Gloire à Dieu! Cela nous dit que nous n'avons pas à croire à cette séduction de l'ennemi. On ne communique pas avec les morts parce que la Bible nous dit que les morts sont morts. Et regardez, je vous ai dit que ce qui m'interpelle, c'est qu'il s'est déguisé, mais il y a quelque chose qui nous interpelle plus, c'est que c'est une voyante. Est-ce qu'une voyante est au service de l'Éternel? Non. Et malheureusement, il y a des milliers, il y a des millions, même de chrétiens. À cause des philosophies, à cause de certaines philosophies qu'on a mises au-dessus des Écritures, beaucoup de personnes croient qu'ils peuvent communiquer avec les morts. Mais lorsqu'on fait cela, comme je vous ai dit, on s'expose à quoi? Au piège de l'ennemi. Et lorsque nous lisons les écrits d'Ellen White, nous voyons qu'elle a eu une vision prophétique, qu'elle a écrit que dans les derniers temps, cette même tactique que l'ennemi avait utilisée autrefois, cette même tactique que l'ennemi a initiée dans le christianisme, il l'utilisera à la fin des temps pour piéger même, s'il était possible, les élus, pour faire croire que les ancêtres même sont porteurs de messages. Donc nous voyons qu'en croyant de telles choses, nous nous exposons à être piégés par l'ennemi. Et ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de personnes, elles le voient comme un espoir, comme elles sentent la personne en vie, elles ont cette impression-là, elles ont cette émotion-là, et elles trouvent que c'est plus triste de savoir que la personne est endormie, que le proche est endormi et dans un sommeil, et que seul Dieu est en mesure de le réveiller. Mais j'aime à vous dire qu'il y a une promesse. J'aime à vous dire qu'il y a une promesse de Dieu. Et de la même manière que Jésus-Christ a ressuscité Lazare, et lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a dit « Lazare, sors !» Il n'a pas dit « Lazare, descends !» Et de la même manière qu'il a dit « Lazare, sors !» Il est capable, et il le fera, de ressusciter tous ceux qui sont morts. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui sont morts sont dans un sommeil. Mais ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans un sommeil. Mais la prochaine fois qu'ils ouvriront les yeux, ce sera pour quoi? Amen. Regardez un peu cela. Lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans un profond sommeil, est-ce que vous avez la notion? Est-ce que pendant que vous êtes dans votre profond sommeil, vous vous dites que je suis en train de dormir 2 heures et 45 minutes, 32 secondes. Non?
Parce qu'en réalité, je suis dans un profond sommeil. Et la prochaine fois que j'ouvre les yeux, mais les morts en Christ, ce sera pareil. Ce ne sera pas différent du sommeil que j'aurai pour me réveiller pour aller au travail. Ça veut dire qu'ils vont se réveiller. Et puis, 20 ans, et puis, 100 ans que je dors. Mais peu importe parce que je vois mon Créateur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ ne nous laisse pas sans espérance. Et nous voyons que le même Jésus-Christ qui était cloué sur cette croix au milieu des deux brigands est celui qui a le pouvoir de ressusciter. Et c'est également celui qui a le pouvoir de guérir les maladies. Il y a peut-être des personnes qui sont en cancer, en phase terminale, qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais j'aime à vous dire que Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir sur la maladie. Et si vous ne me croyez pas, j'ai un témoignage encore. Une année avant que j'aille étudier la théologie, Dieu m'a envoyé en France. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a envoyé en France. Il a utilisé mon entêtement quand je ne voulais pas étudier la théologie. J'ai été continuer mes études dans le notariat. Et les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Mais entre-temps, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère tombe malade. Et les choses vont très vite. On apprend qu'elle est en cancer et que le cancer est avancé. Cancer du côlon, si je ne me trompe. Donc on l'envoie en France. Et alors qu'elle est en France, je me dis, mais je vois mamie bien. On dit que... Et mamie prêche l'évangile. Mamie nous dit même qu'elle a prêché l'évangile dans l'avion, qu'elle a distribué des priorités. Qu'elle a prié avec des gens dans l'avion. Donc je suis content. Donc mes cousins, moi, mes tatis, tout ça, mes tontons, on ne prend pas vraiment en compte cela. On se dit, bon, ça va. Et finalement, elle va à l'hôpital et on réalise qu'il faut l'opérer d'urgence. Et on opère mamie. Et je reçois un coup de fil d'une tante qui nous dit qu'il faut venir à l'hôpital. Et lorsque je vais à l'hôpital, après l'opération, je vois que mamie est dans un état pas possible. Je vois qu'elle respire à peine, qu'elle est branchée, à l'article même de la mort. Donc les jours, pendant quelques jours, on l'a visitée. Et un autre jour, on a été, je vois qu'une tati qui est dans le milieu médical est en pleurs, parce qu'elle comprend que c'est la fin. Et moi-même, je suis déboussolé, je ne comprends pas. Je vois qu'elle respire à peine, je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Ça sentait même la mort dans la chambre. Mais en contrepartie, on était là, on priait, on chantait des cantiques, on chantait des louanges. Et après, en repartant, je me souviens que c'était un vendredi, et le soleil s'était couché. Donc on a commencé le sabbat, on prie, on chante des cantiques, on appelle la famille qui est en Martinique, quand ma mamie avait ses enfants en Martinique aussi. Et il prie, il parle, il chante, et on se dit que mamie entend, donc c'est bon. Quand on voit qu'elle a un souffle de vie toujours. Et en partant, je vois le médecin, et le médecin parle à la famille. Et il nous dit, je suis désolé, mais c'est fini. Votre mère, votre grand-mère vit ses derniers instants. C'est fini pour elle et voilà, et même cérébralement, son cancer s'est vraiment généralisé. Vous connaissez un peu les termes. Donc on est vraiment découragé, il y a une tati qui s'est éloignée, qui a poussé un cri, désemparé. Et moi, pendant que je suis là, je dis au médecin, avec mon cousin, on est là, on dit au médecin, tu es capable de la guérir. On va continuer à quoi? On va continuer à prier. Le médecin nous dit, bon... Vous êtes croyant, bon, ben, priez, mais plus dans le but de l'accompagner. L'accompagner. Et puis, on est là. On a la foi, mais en même temps, rationnellement, on se décourage. Et puis, alors, on rentre chez ma tati. On est un genre triste, tout ça. Tati va se coucher avec mon cousin. On lit la Bible. On lit la Bible pendant un moment. Et finalement, on prie, on va se coucher.
Et pendant que je me réveille le lendemain, je me réveille avec une espérance, avec un espoir. Et lorsqu'on retourne à l'hôpital, on voit déjà un premier mouvement de mamie. Et la mamie a bougé tout ça, on va dire ça. On en informe le médecin. Le médecin dit, ok, intéressant. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose de vous. Il ne veut pas nous donner de faux espoirs, le gars. Il est dans son métier. Et les jours passent, on voit qu'il y a de plus en plus de signes, de réactions. Et au final, le médecin ne peut plus nier qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Jusqu'au jour où cette mamie, qui était à l'article de la mort, s'est réveillée. Et malheureusement, j'ai perdu les photos, mais j'avais conservé quelques photos de son état avant et après. Et personne n'aurait pu parier. Personne qui croit en un Dieu vivant. Parce que lorsqu'on croit en un Dieu vivant, on sait qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Et Jésus-Christ avait décidé que ce n'était pas le moment pour elle de s'en aller. Donc peu importe les pronostics des médecins, peu importe ce qu'ils aient pu dire et penser, peu importe le nombre d'années d'études qu'ils ont eues, mais il y avait un grand médecin. Amen. Il y avait un grand chirurgien. Et il a dit, non. Lui, il a dit que tu mourras, mais moi, je te dis que tu vivras. Et tout ça pour nous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Et il y a des personnes ici qui sont à l'article de la mort. Peut-être pas la mort physique, mais la mort psychique, la mort morale. Et j'aime à vous dire, mes bien-aimés, qu'il y a un espoir, qu'il y a le Dieu de l'impossible. Et le même Dieu qui a été capable de ranimer, de vivifier ma grand-mère qui était à l'article de la mort, c'est le même qui est capable d'intervenir dans les situations que humainement vous estimez désespérées. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et alors que l'équipe de louange se prépare, alors que vous avez besoin d'un sauveur qui veille sur vous comme sur le moineau, j'aime à vous dire que le sauveur, que Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix, à côté des deux brigands, il est avec vous. Vous pensez qu'il est distant, vous pensez qu'il est absent. Mais au milieu même des souffrances, au milieu même de vos situations humainement désespérées, il est avec vous, en train d'agoniser. Il vous dit, je t'aime, je vous aime, je me tiens à vos côtés. Mais avec Jésus-Christ, nous savons que s'il y a eu la mort, nous savons également à travers les Écritures qu'il y a eu un moment, qu'il y a eu le jour de la résurrection, il y a eu le jour où l'ange a roulé la pierre. Amen. Et cela signifie aujourd'hui pour moi, et cela signifie aujourd'hui pour toi, que peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que tu es dans un tombeau émotionnel, mais je t'invite à regarder au-delà du tombeau. Alors que tu penses que tu te diriges vers la mort, vers le désespoir, je te dis qu'avec Jésus-Christ, qu'il y a toujours le moment de la résurrection et que le jour de la résurrection arrivera. Amen. Gloire à Dieu. Car Dominique, s'il veille sur le moineau, c'est qu'il veille aussi. Il veille aussi sur moi. Tu veilles sur le moineau. Au milieu de vos difficultés. Ta main me réconforte. Au milieu de cette mort psychique, de ces souffrances morales, de toute cette atrocité qu'il y a dans le monde à cause du péché. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, j'ai dit. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui m'aime. Ta voix. Et sa voix m'appelle tendrement. Sa voix t'appelle tendrement.
à vivre dans son plan, à croire en son intervention pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, attire-nous à toi. Par ta grâce et ton nom, Seigneur, je viens. Si vous croyez en lui, je vous invite à répéter comme chaque soir. Seigneur, je viens à toi. Les expériences, les miracles. Que ça firme pas simplement dans la vie des autres, mais dans la vôtre également. Mais par ton Saint-Esprit, croyez-vous en cela? Je poursuivrai. Et en dépit des difficultés, je vous invite, je vous invite, je t'invite, cher ami, je t'invite, madame, je t'invite, monsieur, à poursuivre la course. Où que tu sois, il t'appelle à vivre dans son plan. Parce qu'il a quel plan pour toi? Quel plan que Jésus-Christ a pour nous? Quel projet qu'il a dessiné pour nous? Des projets de paix et non de malheur. Il te dit que la souffrance que tu traverses aujourd'hui n'est que momentanée. N'est que momentanée. Car il y a une résurrection. Ni ma puissance, mais par ton Saint-Esprit. Certains d'entre nous ont peut-être peur, peur même de la mort même, la mort réelle, la mort concrète. Mais regardez au-delà du tombeau, car au-delà du tombeau, il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié alors que vous êtes plongé dans un sommeil. Des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne sont pas convaincues. J'aimerais partager ce texte avec vous. Je vous invite à ouvrir la parole. Dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Et la parole de Dieu déclare : nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants,
Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, mes bien-aimés, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, et les morts en Christ, et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Alléluia. Si nous venons à mourir demain, que nous soyons comptés parmi les morts en Christ. Si nous venons à être vivants au moment du retour glorieux, alléluia, de Jésus-Christ, que nous soyons comptés parmi ce reste, ces fidèles peu nombreux qui ont cru, qui n'ont pas cru quand tout allait bien, mais qui ont cru au moment de l'épreuve, au moment des tribulations, qu'il y a un sauveur et qu'il y aura un moment de victoire. Et à cause de cette fidélité, à cause de cette sincérité, ou plutôt grâce à cette fidélité, cette sincérité, grâce au Saint-Esprit réclamé et reçu, ces personnes verront leur sauveur. Elles verront leur sauveur. Pourquoi? Pour vivre éternellement. Et imaginez un peu ce lieu où vous verrez tous ces proches qui sont morts en Christ. Vous pourrez les voir. Papa, maman, peut-être même enfant, grands-parents, amis, alliés. Vous pourrez le dire. Nous avons gagné. Nous avons gagné plus que la Coupe du Monde. Mais nous avons gagné un prix incorruptible. Une couronne incorruptible. Et pas seulement parler, mais à bout d'un moment, vous pourrez toucher ces personnes. Toucher. Saisir ces personnes dans vos bras. Faire un câlin à ces êtres chers. Chantez des louanges à l'Éternel pour la victoire. Et alors vous serez curieux de voir ces prophètes. Et vous verrez Daniel. Et vous direz: Daniel, j'ai lu ta parole. J'ai lu ce que tu as écrit. J'ai lu ton témoignage. C'est toi. Serrez Daniel dans nos bras. Et vous verrez l'apôtre Jean. Et vous direz: l'apôtre Jean, merci. Merci pour ces témoignages également. L'apôtre Pierre-Paul, j'ai vu ta conversion et grâce à ta conversion, j'ai compris que moi aussi, il pouvait se passer quelque chose dans ma vie. Je veux te prendre dans mes bras également. Et il y aura ce moment tant attendu. Il y aura ce moment tant attendu. C'est lorsque je pourrai non seulement voir mon Créateur, lorsque je pourrai voir mon Rédempteur, mais aussi le serrer dans mes bras. Le serrer contre moi. Et pleurer. Sauf que ce ne sera plus les larmes de tristesse qu'on a eues au cours de notre existence terrestre. Mais ce sera quoi? Ce sera des larmes de joie. Car la victoire est acquise. Et si vous croyez qu'il vous est possible de marcher dans cette victoire, si vous recherchez cette victoire ardemment, et si vous êtes en pleine lutte, mais que vous avez reconnu que la parole de Dieu est réelle et sincère, et que cette promesse ne s'adresse pas à l'humanité simplement, mais à vous, non pas à vous, à toi. Si vous croyez ceci, je vous invite à vous lever. Il s'agit de quelque chose de très personnel. Ne cédez pas à la pression sociale pour vous lever, mais levez-vous parce que vous croyez. Oh, que je le crois.
a des personnes qui sont en lutte pour la vallée de la décision. Prions pour ces personnes. Prions pour ces personnes. Il y a des personnes qui sont en souffrance. Nous allons également prier pour vous. Je vous invite à incliner la tête. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Car tu nous as montré, Seigneur, que au-delà du tombeau, il y a une espérance qui se trouve en toi. Et que tu nous conserves dans ta mémoire. Et que peu importe notre souffrance, peu importe que nous soyons à l'article de la mort psychique, morale, au bord de la dépression, de la déprime, ou toutes sortes de souffrances. Nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, qu'il n'y a pas de situation désespérée sur toi. Que tu es capable, Seigneur, de ranimer notre être spirituel. Amen. Gloire à Dieu, gloire à toi pour cela. Tu nous as enseigné, Seigneur, que la mort est un sommeil et que le seul qui a le pouvoir de nous réveiller, de réveiller ceux qui sont morts, c'est toi. Ne laisse pas l'ennemi nous séduire, Seigneur, par des théories farfelues. Mais que nous puissions, Seigneur, compter sur toi et sur ta parole. Agis en ce soir dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Parle au cœur de quelqu'un ce soir, Seigneur, qui te recherche, qui souffre, qui a besoin d'une direction, qui a besoin de GPS infaillible. Agis en ce soir. Tu te tiens à la porte et tu frappes. Que cette personne, Seigneur, ne puisse pas te laisser à l'extérieur. Que cette personne, Seigneur, qui est en lutte, ne puisse pas te laisser à l'extérieur. Mais qu'elle puisse t'ouvrir la porte et t'accepter. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise. Et que le peuple de Dieu dise. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés, si vous avez rempli le feuillet, n'oubliez pas de le remettre à nos hôtesses. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour notre chant thème, Un avenir meilleur. Et vous pouvez me voir à l'entrée si vous avez des questions, si vous voulez que je prie avec vous, n'hésitez pas.